J'ai connu l'association il y a 10 ans, grâce à un précédent président, Albert Iribarondo, et j'ai pu apprécier tout ce qu'elle pouvait apporter et toute son utilité. Et progressivement, j'ai souhaité m'impliquer jusqu'à ce que Jean-Georges me demande de rejoindre le conseil d'administration il y a un an. Une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité me porter candidat à la succession de Jean-Georges Malcor était de pouvoir poursuivre le travail engagé et notamment le rapprochement avec Supélec. Je pense que c'est une énorme chance pour la communauté centrale Supélec. Deux éléments m'ont principalement décidé. Le premier était le plaisir d'être au sein de cette communauté centralienne, les rencontres et la richesse des échanges que nous y avions. Et le second était cette volonté de s'engager. J'ai toujours pensé qu'il était important de s'engager pour une cause et celle de l'école centrale et de l'association des centraliens était pour moi une cause importante. Yolande et toute l'équipe de l'association fait énormément de choses, dispose d'une très grande autonomie et grâce à cela, je crois que le rôle du président se limite à échanger, décider et suivre. Et donc j'espère pouvoir m'appuyer sur la qualité de toutes les personnes qui forment aujourd'hui l'équipe de permanents, ainsi que sur les membres du bureau et les administrateurs. Et je crois que tous ensemble, au travers de l'apport de chacun, faire en sorte que la charge du président soit compatible avec une vie professionnelle encore très active.